C'est la plus longue étape de ce tour, 232 km entre Cholet et Châteauroux. Aucun doute, on trouvera sûrement des volants pour se lancer à corps perdu dans une échappée dès les premiers kilomètres de cette étape marathon. Mais la distance et les longues lignes droites risquent bien de leur miner le moral avant d'atteindre la préfecture de l'Indre. Avantage donc aux sprinteurs, comme en 1998, lorsque l'Italien Mario Cipollini avait remporté là-bas l'une de ses 11 victoires d'étape sur le Tour. Le peloton vient de reprendre les échappées. On observe une nette attaque. Attaque. Oh, ça paraît un peu audacieux comme tactique. Le Normand Anthony Gélin maintenant part en contre-attaque. Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. Ça s'agite à l'avant. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Attaque à la... Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton.